toujours prononcé le W. Hein. Je pense que ça choque personne tant que tu restes en France, mais... What the fuck? Et ils explosent automatiquement si t'as pas les dégâts? Ils ont vraiment... fait ça? J'aime bien ce que Tulpedal c'est par moi en couille. Ouais. En quoi c'est par moi en couille? Le premier à win le round? Wait what? En vrai, faut faire 20 gold. Auto plus casse sans animation sur le dernier. Ah ok. Wait, what the f... What? Comment ça 6 composants? What the fuck? Oh le clear mind il me parle. La merde ça. Te dis quoi? Faire. Je pense que ça va être plutôt une game AP. Hein. Temps de Nashor, Steadfast, Abaddon, Blue Buff. 30 ans? Mais j'ai pas 30 ans moi. J'ai 31 ans. Carmine devient useless à partir de quel moment? Ouais, le level 10. Jazz latte. Mais tu peux trop avoir des scénarios de fou, genre maintenant avec fortune, vu que quand t'en mets 5, ça te donne 3 HP par tour. Si t'as un start métabolique 2-1, que t'as fortune plus métabolique 2-1, et que tu aérolune Annie, du coup tu peux passer en 5 fortune, tu régènes 5 HP par tour. Du coup, into si t'as Tiny Titans, en 3-2, ça te donne 30 HP plus tu régènes 5 HP par tour. Ça peut vraiment partir en couille fortune, je pense. Genre, je pense que tu peux avoir des scénarios beaucoup plus aérol que... Soraka...
vers les snipers là. Altruiste, Arcaniste. Ah, en plus on est sur la map HP. Oh mon dieu. On n'est pas sur la map mais... Cette game va partir en couille. C'est Scuttle Puddle avec plus d'HP pour tout le monde. Elle va très très facilement partir en couille. Gagne rien comme récompense avec Fortune. Bah c'est parce que les premiers paliers sont pas ouf mais c'est juste que tu connais pas les paliers suivants. Ok. Evolve. 9 gold pour level up. Ça se fait. Si on trouve Tamken, ça peut être bien là. Miss Soraka. Non, je l'ai pas miss. Je l'ai juste pas acheté. Pourquoi pas attendre Krugs? C'est presque gratuit là. Et on est sur Scuttle Puddle, je vais avoir full tune. Ooh.
Oh, come on, y'a que de la merde. En vrai, Morello c'est fine, mais par contre, je pense qu'il faut que je joue une Morgana. Faut voir que je joue une Morgana. C'est jouable ou pas 4... En fait, je comprends toujours pas ce que fait Ghostly. Ça envoie des spectres. Ok. Trois behemoths. Lui il dégage hein. Okay. Alors. Ça envoie des petits spectres qui vont hanter et qui soignent 3% du max HP toutes les 2 secondes. Ils prennent des dégâts bonus pour chaque spectre sur eux. Et ils passent leur spectre à la mort. Ça peut être sympa en vrai sur Morgana, non? Parce que Morgana elle fait un dot, enfin elle fait une flaque qui fait un espèce de dot. Du coup elle envoie beaucoup de spectres je pense. Gros, tu sais que si je suis de l'autre côté, je le massacre. Mais je scoute pas. Qui scoute sur le PBE, frère? Oh, Thresh 2. Il me fait de la place. Yo, Dimix, Masmo Prime, merci Pierre d'être pour les 28 mois. Merci beaucoup. Oh, c'est pas du bon côté. Lux c'est super fort en début de fight et en fin de fight ça pue la merde hein. Oh non, pas comme ça, pas comme ça. Pas comme ça, la casse deux fois dans le vide frère. Fede Ishigo, merci pour les 26 mois. Gros, pas comme ça. Live your journey or die in mine.
Ah, quand t'es du bon côté, ça se passe bien. Hein. Bon, à part, par contre, on va pas se mentir, Blue Buff c'est un item vraiment médiocre sur Lux. Temken, je ne peux pas l'acheter. Je pense que c'est juste un Fast 9. Hein. Ce serait cool d'avoir Syndra dans le prochain rôle. On sera niveau 8. Les chances sont quand même assez élevées, mais. Ah. C'est vraiment trop de la merde, Lunch Money en fin de partie. Pourquoi on me propose ça? Ah, ça a une forme de flocon, Morgana. Elle a des bons dégâts, mais je me suis juste fait one shot. Ah, il a cash out. Il a une gold value de 100. Prochain tour, je pense. Ce Morello est très bien sur Morgana, mais le blue buff et la dent de Nashor, c'est peut-être pas si ouf.
Il a eu deux items Horn, un item Radiant. Some call me evil. Shall I prove them right? I channel the spirits I feel closest to. J'aurais dû vendre les deux là. Juste que je trouve Tindra 2 2-3 upgrades. Stick to the plan. We have a plan? Est-ce qu'il y a un Heavenly qu'on a envie de jouer? Peut-être Nico en soi. Hein. Juste fast 10, je pense. Wouldn't wish my fate on anybody. C'est du Warden qui ward.
Et non, ouais, je m'inspire une fois. Guess the outcome of your next fight. Wouldn't wish my fate on anybody. Je vais gagner. You got spirit. Ah, je vais perdre. Évidemment, le mec qui a cash une 500 000, c'est moi qui le proc à ce moment-là, alors qu'on est 8 en vie. Et que j'ai cliqué sur je vais gagner. Well fucking played. C'est ma usual RNG genre. Tout le temps des RNG comme ça. Moi. Non trop con. Je pense qu'on veut TG ce set. Pourquoi il est dans ma backline lui? Et pourquoi il meurt pas? Pourquoi son 7-1 fait plus de dégâts que mon 7-2? C'est vraiment les games de tous les mystères. Nice, ça me sert à rien. Mon board me donne pas du tout l'impression d'avoir full HT2, hein. J'ai l'impression d'avoir un board full one cost. Wouldn't wish my fate on anybody. Comment je struggle autant frère?
fight is, it never really does. I channel the spirits I feel closest to. Stick to the plan. We have a plan? Surrender. My triumph is inevitable. Kleenex, passe pas les 9 mois. Mais il reste plus que des boards niveau 10, full capé. Ça a pas trop de sens, mais... Ah, je comprends pas, son set il a le droit de cast 40 fois de suite. I don't get it, man. Comment ça se fait qu'il y a autant de diff? Ça n'a aucun sens, gros. Ça a legit aucun sens. Bon, bah je fais le meilleur score possible, deuxième. Qu'en face de moi il y a ce mec là. Pourrait pas faire mieux, je pense. Hein. Wouldn't wish my fate on anybody. Stick to the plan. We have a plan? Blue buff manazen. Ah, il a joué la game en easy mode. Hein. Fortune 2-1. Il a cash une 100 et quelques. Tu peux rien faire. Hein. Il y a trop de ressources. Il a des items radiants et des items horn. En plus. Télé HT2. On va faire beaucoup mieux. Hein.